Ça, c'est Spider-Man. Et ça aussi, c'est Spider-Man. Oh, attendez, ça aussi, c'est Spider-Man. En tout cas, il y a beaucoup de Spider-Man dans ce monde. Mais ils s'occupent tous de la même ville, New York. Bon, je vais vous l'avouer que j'ai toujours voulu être comme eux. Mais moi, je ne suis qu'un gars normal, qui n'a rien d'un héros. Au voleur, attrapez-le! Oui, je fais ça. Tu vas le regretter. Bonjour la police, j'ai devant moi un voleur que vous recherchez sûrement. Ah, il s'est échappé. Merde. Alors voilà, je suis juste un mec normal, mais j'aimerais tellement être un héros. Et le pire, c'est que tous les Spider-Man sont à New York. Il n'y en a aucun pour protéger ma ville. Québec. En plus, dans cette ville, il y a plein de super vilains. Par exemple, la Karen. C'est une femme de 50 ans qui peut te neutraliser avec du vin, ou bien elle peut aussi t'affaiblir en te faisant la morale, vu qu'elle croit tout savoir. Pour la combattre, il faut lui montrer des blagues Facebook. Elle se met à rire et ça l'affaiblit. Ensuite, il y a Kevin. Lui, il roule toujours en Honda Civic et il t'attaque avec... ça. Pour le battre, il n'y a pas de solution, car il se reproduit de plus en plus et on ne peut pas changer sa nature. Et pour finir, il y a le Corona Man. Lui, il est pas vacciné et il éternue sans mettre son bras devant sa bouche. Achoum! Achoum! Et quand il rentre dans un lieu public, il ne met jamais de gel hydroalcoolique. En plus, il met son masque en bas de sa bouche, donc il est très dangereux. En tout cas, les Québécois ont vraiment besoin d'un super-héros pour les protéger. Mais vous avez la police, non? Ouais, sauf que disons que c'est compliqué. Ouais, ok. Première étape pour devenir un super-héros, construire son costume. Puisque tous les Spider-Man sont rouges, moi, mon déguisement sera... bleu. C'est pour représenter les couleurs du Québec. Bon, ok, c'est parce que j'avais pas de costume rouge. Et voilà, mon costume est terminé. C'est tellement dur à mettre. Je sais pas du tout ça ressemble à quoi, mais bon, j'ai fait de mon mieux et c'est tout ce qui compte. Une fois le costume terminé, je devais m'annoncer au public. Aujourd'hui, dans Rombini, nous découvrons une personne qui se prend pour Spider-Man. Allons découvrir ce phénomène. Bonjour, je me présente, je suis le nouveau Spider-Man. Comme vous le savez, il y en a déjà trois avant moi, et bien je suis le quatrième. Ça fait pas un peu beaucoup? Non. Donc ici, je suis dans mon QG, Et tu fais quoi ici précisément? Ben ici en fait, je reçois les appels à l'aide de la police ou des citoyens pour que je vienne les aider, pour que je fasse mon devoir de Spider-Man. Alors c'est pourquoi Fortnite à l'écran? T'es sérieux là? C'est pour me divertir. Non mais j'ai le droit, c'est pas parce que je suis Spider-Man que j'ai pas le droit de me divertir. Yo c'est... alors c'est quoi ça? Prochaine question, vas-y. Pourrais-tu me montrer tes pouvoirs? Oh bien sûr! Assure-toi de défilmer parce que je veux pas que tu rates ça. Et voilà! C'est fait! Ben vas-y, montre-nous! Mais je viens de te montrer! Tant pis là, fallait juste que tu regardes au moment que j'y faisais. Dis-nous-le, t'as juste pas de pouvoir. De quoi tu parles, voyons? J'en ai des pouvoirs, c'est juste que j'ai pas envie de les montrer là. C'est... pourquoi? Ben, je suis gêné, là. Jusqu'à date, combien de personnes as-tu sauvé? À peu près 26 millions. Quoi? Ben ouais, je me suis fait vacciner. C'est ça qu'il dit à la pub à la télé. Se faire vacciner sauve des vies. Donc je me suis fait vacciner, puis c'est comme ça que j'ai sauvé des vies. T'es con, en fait? Ok, ça se voit pas, là, mais je suis fâché. Et sinon, t'as une MJ? Non, pas encore, là. Et regardez ce que je suis capable de faire. En fait, je suis pas capable. Bon, alors je pense qu'on peut s'avouer qu'on avait affaire à un faux Spider-Man, à un gars un peu con qui se prend pour un super-héros. Like et abonne-toi. Peut-être que je ne suis pas réellement un super-héros. Peut-être que je ne suis en réalité qu'un gars banal, qui n'a rien de spécial.
T'es qui, toi? Spider-Man. Eh? Alors, pourquoi t'es comme ça? Normal. Parce que je ne suis pas comme les autres Spider-Man. Comment ça? Les autres Spider-Man étaient des personnes normales, des humains, avant qu'une araignée les pique et qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Ben oui. Eh bien moi, ce n'est pas le cas. Avant, j'étais une araignée, jusqu'à ce qu'un jour, un humain m'a mordu. Et depuis ce jour, je suis devenu un humain. Ok, ça c'est bizarre. Oui, je sais. Et honnêtement, j'aime pas trop ça être un humain. Pourquoi? C'est cool pourtant. Il y a comme un truc en bas qui pend. Regarde. Oui, oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. Alors voilà, je te propose quelque chose. Je me débarrasse de mes pouvoirs en te les donnant, et comme ça, je redeviens une simple araignée, comme avant. Ouais. D'accord. C'est parti. Oh merde! Chaque personne peut devenir ce qu'il veut. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Je suis devenu qui je voulais. Je suis Spider-Man. Je ne me suis pas fait tout seul, mais tout seul j'aime les faire. Car comme vous le savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.